Salut à tous les amis, c'est DJ Gamer. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi. Est-ce qu'on va trouver des jeux encore en deuxième ou voire troisième des marques dans les magasins? Allez, je vous laisse sur les images qui vont suivre avec pareil la nouvelle intro. Dites-moi en commentaire si elle vous plaît. Et regardez bien, on va faire la Fnac, Carrefour et Micromania. Allez, je vous laisse sur les images et à tout de suite l'équipe. Here we go! Thank you.
Salut les amis, donc de retour après le petit tour des magasins, comme je vous ai dit dans l'intro. Donc comme vous avez pu le voir, dans le carrefour où j'ai été, il y a encore pas mal de choses. J'ai vu des jeux Switch à 25, en gros encore. J'ai vu le Necro Danseur, pareil, à 12 euros, je crois qu'il en restait un. Pas mal de Crash à 19 euros. Pas mal de petits titres sympathiques. Bon, personnellement qui ne m'intéresse pas, mais il y a encore du potentiel, donc n'hésitez pas à regarder dans les magasins, encore une fois, dans les carrefours, si vous trouvez des choses, parce que encore une fois, il y a pas mal de choses. Et surtout, n'hésitez pas, regardez bien en rayon, parce que comme vous avez pu le voir dans la première intro, il y a pas mal de choses encore en rayon, mais qui n'est pas forcément dans le bac. Pareil, n'hésitez pas aussi à demander, comme vous avez vu, j'ai été à la Fnac. Et dans certains bacs, il y a déjà des vignettes à moins 50, moins 20, choses comme ça. J'ai amené deux petits jeux, malheureusement, que j'ai pas pris parce que pareil, un peu trop cher selon moi. C'était le fameux Definitive Edition de Arcane Collection. Avec, il y avait Dishonored 1, 2, le DLC et Prez, jeu de, ou Prez, ou bon, je ne sais pas comment on le dit, pour être précis. Mais voilà, ces quatre-là, c'était une collection qui était pas mal. Elle m'intéressait et en fin de compte, elle passait de pas à 50, elle met à moins 70%, je crois. Et en fin de compte, au lieu de 49 euros, normalement de base à 50%, ça faisait 25 euros, mais elle passait à 20 euros en magasin. Je ne sais pas si c'était un bon prix. Pareil, c'était pas un prix que je voulais mettre actuellement dans ce type de jeu pour l'instant. Genre de jeu qui m'intéresserait peut-être à en dessous de 15 euros. Pareil, dites-moi en commentaire si vous l'aurez pris. Pareil. Et puis là, tas de choses que j'ai été aussi au dernier. J'ai été à Micromania. Voilà, j'ai essayé de me laisser tenter par un petit jeu. Malheureusement, avec l'offre, comme vous avez vu, il y avait des offres à 5 euros au lieu de 9 euros. Et malheureusement, bah, je voulais prendre un Ori sur Xbox. Malheureusement, bah, c'était une offre bonne affaire qui était à 9 euros. Mais il passait pas à 5 euros. Voilà. Les problèmes de Micromania, c'est entre les promos qui se disent. L'un et l'autre, voilà, les jeux à 9 euros, bah, c'était dans un bac bien précis, et l'autre, les bonnes affaires à 9 euros, bah, c'était des bonnes affaires, donc ça passait pas à 5 euros, voilà. Enfin, malheureusement, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais par contre, la bonne affaire que j'avais fait au début de semaine, j'ai été le chercher, bah, aujourd'hui, où je tourne la vidéo, bah, c'est en fin de compte, c'était une petite promo qui est déjà passé sur, je crois, de Micromania il y a quelques semaines. Et en fin de compte, j'ai eu le temps de le récupérer, de le réserver. J'ai été le chercher aujourd'hui. Et je suis très content parce que le carton est super propre. Et en fin de compte, c'est la Team Sonic Racing. Voilà. Mais le boîtier collector avec la petite figurine, comme vous voyez ici. Voilà. Il y a une petite figurine de Sonic qui fait à peu près 10 cm. Mais comme vous voyez, je trouve la boîte assez petite, super bien conservée. J'ai eu peur que quand on me donne ce type de carton, je me suis dit ça, les cartons vont être défoncés. Et en fin de compte, agréablement surpris. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai déjà sur Switch. Voilà, mon fils il joue beaucoup avec le Mario Kart. Mais je l'avais plus sur PlayStation 4. Parce que je crois qu'à un moment donné, bah, je l'avais revendu pour l'acheter pour mon fils pour la Switch. Et là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Et pour être précis. Il était à 14,99 €. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un bon prix. Moi, je pense que c'était un bon prix. En plus, j'avais une petite réduction de 10 euros. Donc ça m'a fait la figurine plus le jeu neuf que je vais vous montrer à 4,99 €. Je pense qu'on ne le voit pas beaucoup, ce type de coffret. Et je pense que c'est plutôt sympathique. Alors je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer un peu la figurine qu'il y a dedans. Je trouve qu'elle est super belle aussi. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est la version des figurines qui est sortie par Micromania. Voilà. Je vous la montre. Voilà. Avec le petit anneau, vous voyez là, ici. Voilà. Hop. Je la trouve super belle. Alors, voilà, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà. Le petit anneau. Donc, je la trouve super cool. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je pense que ça a pour but d'être laissé dans le pack. Je pense que le pack, je ne vais même pas le toucher. Parce que quand je vous dis, je laisse sur Switch. Et le petit jeu, voilà, pareil. Emballé, neuf. Et faire. Voilà. Donc je pense que, voilà, dites-moi en commentaire si c'était une belle affaire.
Donc c'est tout, voilà, pour le petit retour des deuxièmes ou troisièmes des marques au niveau des magasins. Dites-moi si, pareil en commentaire, si vous avez trouvé des choses encore dans les derniers jours de solde. Pareil, surveillez, parce que peut-être qu'ils vont brader encore plus les Leclerc ou les Carrefour, parce qu'il y a encore pas mal de stocks. J'ai été aussi à Cultura, parce que pareil, Cultura proposait à un moment donné 90% sur le tout. Malheureusement, j'ai pas filmé parce qu'il y avait 4-5 jeux, 3 ou 4 FIFA 21 à moins 90, c'était pas terrible. En fin de compte, j'avais vu aussi un Overcooked numéro 2 en PlayStation 4. J'aurais peut-être dû le prendre pour vous le faire gagner dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc c'est des parties remises. Donc comme je vous dis, surveillez tout. Parce que franchement, on peut encore trouver des belles choses et des belles pièces. Voilà, comme je vous dis. Et surtout, moi, je suis super content pour le petit Sonic, le petit coffret collector. Allez, sur ce, l'équipe, je vous souhaite une bonne journée, bonne vidéo si vous l'avez vu. Et je vous remercie. Et comme toute d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire et on partage. Le but, c'est de le monter le plus haut possible. Allez, à bientôt!